Amérique. Voilà, mes amis, donc la généalogie de Yehoshua. Voilà, on en était hier dans Esdras chapitre 2, du verset 61 au verset 63. Aurélie, si c'est possible de nous aider du côté de la lecture. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaja, les fils d'Akot, les fils de Barzilai, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilai, le Galadite, et fut appelé de leur nom, ils cherchèrent leurs titres généalogiques, mais ils ne les trouvèrent point, on les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Thummim. Ok. Alors, nous parlons de la généalogie de Yehoshua, bien sûr. Hein, donc, il est vraiment important que les chrétiens connaissent, n'est-ce pas, leur Dieu. Et en connaissant leur Dieu, en connaissant notre Dieu, nous allons nous connaître nous-mêmes. Pourquoi? Parce que notre identité est en Christ. N'est-ce pas? Donc, il nous a donné une nouvelle identité. Et donc, on ne peut pas, n'est-ce pas, être dans cette nouvelle identité si on n'a pas totalement la révélation de Yehoshua. N'est-ce pas? Donc, on a un exemple assez frappant ici de l'importance, hein, n'est-ce pas, de connaître sa généalogie afin de mieux servir le Seigneur. Dans ce passage que nous venons de lire, hein, que notre sœur vient de lire. Et il est question ici de la famille des Lévites, hein, donc, qui était revenue de l'exil babylonien et, sous Esdras. Et il fallait bien sûr reconstruire le temple, l'autel de sacrifice notamment, et surtout aussi de retrouver, de reconstituer la tribu de Lévi, hein, la tribu de Lévite, parce que on ne pouvait pas construire, même si, admettons que le temple soit construit, et s'il n'y avait pas les sacrificateurs, le service d'adoration, d'offrande, de sacrifice d'animaux ne pouvait pas avoir lieu. Donc il fallait retrouver, n'est-ce pas, les sacrificateurs. Or, pour pouvoir les retrouver, il fallait, n'est-ce pas, retrouver leur généalogie. Voilà, donc parce que ces hommes qui se disaient sacrificateurs n'ont pas pu prouver, n'est-ce pas, au gouverneur leur titre généalogique, ils ont été exclus du sacerdoce. Voyez? Or, nous sommes sacrificateurs également, d'après la parole de Dieu. Donc, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, 9, nous apprend que nous sommes un sacerdoce royal. D'accord? Donc, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Et Apocalypse chapitre 1, versets 4 à 6 et chapitre 5, versets 8 à 10 nous apprend que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Donc nous sommes des rois et des prêtres. Donc ça veut dire que nous sommes des sacrificateurs, mes amis, au même titre que les sacrificateurs fils d'Aaron sous la loi de Moïse. Or, vous voyez bien que les sacrificateurs sous Moïse ne pouvaient pas exercer leur, notamment ici, ne pouvaient pas, mes amis, retrouver leur fonction sans prouver, n'est-ce pas, au gouverneur leur origine. Alors, nous autres également, en tant que sacrificateurs, vous chrétiens, vous qui me suivez ce soir, vous ne pouvez pas véritablement exercer votre rôle, votre fonction, votre ministère, si vous n'avez pas, n'est-ce pas, votre titre généalogique. Voyez? Donc, c'est ça en fait le problème. Donc, qu'il faut comprendre. Vous ne pouvez pas véritablement exercer le ministère si vous n'avez pas un titre généalogique. Or, notre généalogie, ancien Fernand, est en Christ. Donc, voilà. Donc, hier, on a vu que la généalogie de Luc remonte jusqu'à Adam, n'est-ce pas? Que Christ, n'est-ce pas, en tant que Dieu, Christ s'est identifié à nous par Adam. Il s'est identifié à nous, donc il a accepté que Adam soit son ancêtre afin de pouvoir nous sauver, n'est-ce pas? Donc il a endossé, mes amis, les responsabilités d'Adam et on a vu qu'il nous a sauvés non en tant que Dieu, mais il nous a sauvés en tant qu'homme. Voilà. Et donc les sacrificateurs ici étaient, premièrement, mes amis, exclus du sacerdoce. Et deuxièmement, ils ne pouvaient pas consommer des choses très saintes, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'un sacrificateur, qui avait par contre sa généalogie, hein,
consulte, n'est-ce pas, l'urim et le thummim. Donc, voilà, donc, sans le titre généalogique, on peut cette fois-ci consulter Dieu. On pouvait consulter Dieu pour avoir son accord, hein, donc sa confirmation. Donc, vous voyez, mes amis, exercer le sacerdoce à l'époque de Moïse n'était pas une mince affaire, n'était pas une chose facile, n'est-ce pas? Donc, tout le monde ne pouvait pas prétendre, n'est-ce pas, servir le Seigneur comme ça. Et d'ailleurs, dans Hébreux chapitre 5, verset 4, il est dit que nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas servir le Seigneur si on n'a pas reçu son mandat. Voilà. Donc, il est question ici de la généalogie. C'est ça le plus important. Et on a vu hier que les évangiles nous présentent deux, n'est-ce pas, généalogies de Yehoshua. Deux généalogies de Yehoshua. Le premier à l'avoir fait, c'est Matthieu. On l'a vu. Donc, Matthieu a adressé son livre, son évangile aux Juifs. Donc, d'emblée, il commence par présenter la généalogie de Yehoshua, donc on le verra tout à l'heure. Et Luc, par contre, quant à lui, va, n'est-ce pas, adresser sa lettre à Théophile, un officier romain. Et il a également présenté la généalogie de Yehoshua en remontant jusqu'à Adam. Pourquoi? Parce que Adam est l'ancêtre de tous les humains. Voilà. Par contre, Matthieu, lui, présente son évangile d'abord aux Juifs et il remonte jusqu'à, par rapport à la généalogie de Yehoshua, il remonte jusqu'à David et Abraham. Pourquoi? Parce que justement, Israël a commencé avec justement, en fait, l'ancêtre des Hébreux, n'est-ce pas, c'est Abraham, bien sûr. Et puis on verra cela. Donc on va maintenant étudier ce soir la généalogie de Yehoshua afin de comprendre notre propre généalogie, notre propre identité. Alléluia, gloire à Dieu. La généalogie par Luc nous a amenés à la croix, nous a parlé de l'œuvre de la croix, n'est-ce pas? Donc, Yehoshua s'est fait humain pour nous sauver. Donc là, cette généalogie nous parle du salut, de la rédemption, n'est-ce pas? Et Jésus, en tant qu'homme, a vaincu, et nous, en tant qu'homme, avec l'Esprit de Dieu, nous vaincrons également au nom de Yehoshua. Maintenant, étudions ce soir la généalogie de Yehoshua par Matthieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1er. Généalogie de Yehoshua, donc on peut y aller, hein, Aurélie. Matthieu chapitre 1er. Juste le verset 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ok. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Vous voyez comment Matthieu commence son épître. Donc il n'a pas commencé par se présenter lui-même. Il commence par présenter, n'est-ce pas, la généalogie de Yehoshua. Pourquoi? Souvenez-vous du premier verset que nous avons lu. Pour que les Hébreux reconnaissent, n'est-ce pas, acceptent qu'un sacrificateur exerce le sacerdoce, il fallait qu'il prouve son titre généalogique. Donc, pour que les Hébreux, à qui cette lettre était destinée, croient que Yehoshua est bel et bien le Machia, il fallait également prouver son titre généalogique, la lignée. Tu comprends? En fait, le mot généalogie ici, c'est Genesis en grec, qui donne en français Genèse. Vous ne pouvez pas connaître Shora Kwetu sans connaître sa Genèse, n'est-ce pas? C'est pas possible. Donc, vous ne pouvez pas connaître Jésus-Christ sans connaître sa Genèse. C'est pas possible. Et là, nous sommes dans la Genèse de Yehoshua en tant qu'homme. D'accord? En tant qu'homme. Donc, et c'est important parce que dans la généalogie de Luc, hein, de Christ par Luc, Yehoshua a été présenté comme homme, donc, dont l'ancêtre était Adam, et en même temps Dieu, fils de Dieu. N'est-ce pas? Donc, voilà la généalogie de Yehoshua par Luc. Mais ici, Matthieu nous parle de sa généalogie par David et Abraham, donc on va comprendre cela tout à l'heure. Donc vous voyez, il commence d'abord par généalogie de Yehoshua. Ce n'est pas un produit du hasard, ce n'est pas un hasard si Matthieu a commencé par présenter la généalogie de Yehoshua. Parce que les Hébreux ont besoin de cela. Vous ne pouvez pas, si admettons que je parte en Israël
et que je dise aux, je leur dise que je suis juif. Ben, ok, tu es juif, tu es noir. Bon, ben écoute, ok, il n'y a pas de problème, il y a aussi des juifs noirs, mais prouve-nous quand même ton titre généalogique. Alors, vous voyez ? Alors, si on remonte jusqu'au fondateur de mon clan et qu'ils s'aperçoivent qu'il ne faisait pas partie de 12 tribus d'Israël, eh bien, je serais exclu. Okay, rejeté. Amen. Vous savez, il nous faut, si un noir va en Israël pour dire qu'il est juif, ça ne va pas choquer logiquement les juifs qui connaissent la Torah. Posez-moi la question, pourquoi ? Il faut prendre le micro pour... Mais pourquoi ? Parce que tout simplement, en Saint-Fernand, il y a deux de tribus d'Israël avaient du sang africain. Ok, exact. Hein? Donc, la tribu d'Éphraïm et la tribu de Manassé. Éphraïm était un métis. Manassé était un métis. Et ils étaient africains et ils étaient nés en Afrique. Amen, amen. D'accord? Amen, amen. Donc, la femme de Joseph était noire. Yes. Voilà. Donc, c'est donc ça ne doit pas choquer. Amen, mais, amen. Bien que je sois noir, mais il faut prouver... Okay. Quand même ton titre généalogique. Parce qu'ils ne vont pas t'accepter comme ça. Vous comprenez? Okay. Donc en plus, à l'époque de Esdras, après la déportation, les juifs étaient mélangés. Okay. Les 12 tribus étaient mélangées. Donc n'importe quel juif pouvait dire, n'est-ce pas, être descendant d'Aaron. Okay. Donc si un juif qui descendait de Manassé, mes amis disaient par exemple qu'il n'était pas, qu'il avait pour ancêtre Aaron, il fallait qu'il le prouve. Qu'il le démontre. Qu'il le démontre, qu'il le montre, qu'il le... voilà, donc okay. Par son titre généalogique. Okay. C'est-à-dire okay. C'est le commencement qui importe, vous voyez. Et c'est ce que Matthieu va faire ici. Amen. Parce qu'il savait qu'il avait affaire à un peuple du livre, qu'il avait Amen. Affaire à un peuple de la loi, Amen. Un Amen. Peuple qui avait des archives. Un peuple qui savait qu'il y avait tellement de Romains, yes. Hein, tellement d'étrangers à l'époque en Judée, qu'il fallait à tout prix, mes amis, prouver la judaïté, n'est-ce pas, des gens qui se réclamaient d'Abraham. Ok, amen. Amen. Donc il dit généalogie de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est important. Tout à fait, tout à fait. Jésus a une généalogie. Jésus yes. a une genèse. Jésus a un commencement yes, en amen, tant qu'homme. Amen, amen. N'est-ce pas? Et il a une origine en tant qu'homme. Amen. Et voilà, fils de David, fils d'Abraham. Donc, d'abord, David. Pourquoi David? Pourquoi David? Pourquoi David? Il faut poser des questions mais comme pourquoi, ça. Pourquoi l'apôtre? Pourquoi David? Bonne question. On aurait pu alors, commencer par... avant de parler de David, on va d'abord aller voir Adam. Okay. On a dit que Jésus-Christ, dans Luc 3 là-bas, qu'il est aussi fils d'Adam. D'Adam. Alors, Dieu crée l'homme à son image. Exact. N'est-ce pas? Amen. On nous dit que Dieu créa l'homme à son image. L'homme, là, c'est Adam en hébreu. Adam. L'homme, Dieu créa Adam à son image. Or, Dieu, en tant que souverain, savait que Adam allait tomber. Amen. Donc, s'il a donné le nom de Adam à cette créature, ce n'était pas en vain, c'était prophétique. Parce que dans le mot Adam, vous avez le A, c'est Abraham. Yes, amen, amen. D'accord amen. Vous avez le Da, c'est David. David. Et vous avez le M, c'est le Mashiach. Ok, amen, amen. Donc vous voyez la généalogie amen, de Yahushua. Amen, amen. Donc Dieu savait d'avance que le premier Adam allait chuter. Ok. Et il a prévu, n'est-ce pas Abraham. Donc voilà pourquoi nous allons commencer d'abord ce soir par Abraham. 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 Amen. Donc le A là, c'est le A d'Adam. Et vous verrez que, allons voir maintenant cette généalogie. Pourquoi Yehoshua a eu comme ancêtre Abraham. Nous sommes dans Genèse chapitre 10. Et nous lisons à partir du verset 6. Genèse 10 à partir jusqu'au verset 12. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Verset 10, il regna d'abord sur Babel, Érech, Akkad et Calné au pays de Shinéar.
De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash, et Resen entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Voilà. Alors, écoutez bien, pourquoi Abraham ? On a vu Abraham, c'est dans Abraham, nous avons le A d'Adam. Amen. D'accord ? Et on nous parle ici de la descendance, n'est-ce pas, de la postérité de Noé. Vous savez qu'il y a eu un mélange, tout à fait. Avant que Dieu ne détruise le monde de Noé. Il y a eu un mélange entre les anges déchus, les anges qui avaient quitté leur demeure, et avec les filles des hommes. Il y a eu des naissances, des géants, des Néphilim. Et la race humaine était polluée. La race humaine était mélangée. Et ça, c'était le plan de Satan aussi pour empêcher la lignée du Messie, pour contaminer la lignée du Messie. Et Dieu va prendre une décision incroyable, celle de détruire toute cette race. N'est-ce pas? Donc, il va purifier la terre par le déluge. Et il va sauver seulement Noé, sa femme, ses trois fils, ainsi que leurs femmes. Donc, 8 personnes en tout. Et avec ces 8 personnes, de nouveau, Dieu va peupler le monde. Afin de préserver la lignée du Messie. N'est-ce pas? De la souillure. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Noé, nous dit la parole, va commencer à cultiver la terre. Il va planter de la vigne et il va s'enivrer, malheureusement. Tout à fait. Et son fils Canaan va voir sa nudité. N'est-ce pas? Donc, selon Lévitique 20, il va voir sa nudité, c'est-à-dire va avoir des rapports sexuels avec sa mère ou voir avec lui-même. Maintenant, Noé, à son réveil, apprend cela et il va maudire le fils de Cam, c'est-à-dire Canaan. Donc, cette malédiction va ouvrir une brèche aux démons pour de nouveau polluer la race humaine. Et donc, voilà pourquoi les Cananéens étaient des grands pécheurs devant l'Éternel, les Amoréens, tout ça. Et de cette malédiction sortira également, en fait, parmi les fils de Noé, il va y avoir... parmi sa postérité, il va y avoir un individu du nom de Némorod. Némorod va être le premier empereur de l'histoire, n'est-ce pas, du monde. Et il va, n'est-ce pas, régner sur Babel, nous dit la parole. En fait, il va être l'instigateur, le visionnaire de la construction de la tour de Babel. Vous voyez ? Donc, il règne à Babel et on nous dit dans Genèse 11 que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Vous voyez ? Donc, Némorod va pousser les hommes de cette époque, n'est-ce pas, à la rébellion contre Dieu. Dieu disait que les hommes devaient se multiplier, devaient remplir la terre. Et lui va dire, par contre, non, il ne faut pas obéir au Seigneur, en gros. Donc, et Dieu nous dit, la parole va descendre et va confondre leur langage. Tout à fait. Et il va y avoir cette confusion, donc, d'où le nom de Babel. Hein, Babel. Donc, Babylone, donc confusion par le mélange. Et Dieu va confondre leur langage. Et il va y avoir un tel, mes amis, une telle confusion que Dieu va maintenant décider d'extirper un homme de cette grande confusion, de cette grande Babylone. Donc Dieu sort un homme de ce lot. Amen, amen, amen. Donc c'est Abraham. Abraham. Et pour commencer une nouvelle histoire avec l'humanité. Vous voyez ? Donc, c'est comme si, avec Abraham, Dieu va commencer une nouvelle création. Amen. Vous voyez ? Amen. Va créer maintenant il va créer une nouvelle race. C'est comme s'il va créer une nouvelle race, un nouveau peuple. Donc, les Hébreux. Amen. Voilà. Amen. Et Genèse 12, 1, justement, on va le lire. Genèse 12, 1 à 3. Genèse 12, 1, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voilà,
Et voilà ce qui va se passer maintenant. Dieu, on a vu qu'Abraham, donc, il faisait partie, Tout à était fait. dans un monde pollué. Hein. Tout à fait. Il était en Chaldée et en Ur, c'est-à-dire en Babylone. En Babylone. Donc certainement, il a connu cette grande confusion de Babel. Amen. Et Dieu lui dira, sors Yes. de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Waouh! Donc ça commence bien. Yes. Donc, nous avons ici, mes amis, la généalogie de Yéhoshua, n'est-ce pas? La généalogie de Yéhoshua par Matthieu. Et l'ancêtre de Yéhoshua ici, donc Abraham, Abraham. a été appelé par le Seigneur, avait reçu l'ordre du Seigneur de quitter son pays. Donc déjà, nous comprenons que dans la généalogie de Yéhoshua par Matthieu, il y a la notion de quitter. Yes. Amen. Hein? Amen. Donc, il y a la notion de quitter des endroits pour aller dans d'autres. Alléluia. Donc, tout chrétien qui veut s'identifier à Yéhoshua par la généalogie de Matthieu doit comprendre cette notion-là. Alléluia. Amen. C'est prophétique à l'apôtre. Hein? Donc, ils doivent partir. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de sentiment. Yes. Hein? Amen. Il fallait qu'il quitte son pays, donc Babylone. Donc, vous comprenez que l'église, ecclésia en grec, n'est-ce pas, donne en français, assemblée d'hommes et femmes appelés à quitter Yes. le monde. Yes. Amen. Donc, c'est quand même incroyable, mes amis. Pour comprendre la généalogie de Yéhoshua par Matthieu, il faut comprendre Abraham. Yes. Parce que c'est l'ancêtre de Yéhoshua et par extension, c'est notre ancêtre aussi. Si Dieu a demandé à notre ancêtre de quitter Babylone, eh bien, il nous le demande également. Donc, quitte ton pays, ta patrie, n'est-ce pas? Donc, Dieu ne demande pas aux chrétiens d'être patriotes. Hein? Ah non! Ça c'est le monde, mes amis. Hein? Et la maison de ton père. Donc, ça veut dire que là, il n'y a pas de sentiment. Or, le nom du père d'Abraham, c'est Térakh. Térakh signifie retard. Dieu ne veut pas que tu sois retardé par ta famille, par les sentiments humains, parce qu'on est humain. Nous aimons nos parents, nous aimons nos frères et sœurs de sang. Et il fallait que Abraham quitte toutes ces choses. Mes amis, ce n'était pas une mince affaire. Frère, la première fois qu'Abraham a entendu parler de Dieu, la première fois qu'il a entendu la voix du Seigneur, c'était la première fois. Hein? Et la toute première fois que Dieu lui a parlé, il lui a demandé de quitter son pays. Sans donner des Hein? explications. Et il ne lui dit pas, va dans tel pays. Il dit, va dans le pays que je te montrerai. Donc, un autre aspect que nous devons comprendre par rapport à la généalogie de Yéhoshua par Matthieu, c'est la marche par la foi. Yes. Amen. Voilà pourquoi on l'appelle le père de la foi. Amen. C'est-à-dire, il n'a pas vu le pays, mais il fallait qu'il aille vers ce pays. Il n'a pas vu ce pays, mais il fallait qu'il aille vers. Paul dira, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Yes. Un chrétien qui veut marcher par la vue deviendra apostat. Et Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Alors, une grande nation ici, en fait, nous avons deux nations ici. Il y a la nation israélite, donc Israël actuel, et il y a aussi la nation Église. Dans 1 Pierre 2, 9, Pierre dit que l'Église est une nation. Vous, au contraire, vous êtes une nation sainte. Voyez? Donc, et ensuite, je te bénirai. Je te bénirai. Donc, dans la généalogie de Yéhoshua par Matthieu, il y a la notion, mes amis, de nation aussi. D'accord? Yes. Donc là, nous avons la notion du royaume déjà là. Amen. Hein? Amen. La nation, Yes. on le verra aussi avec David. Et il y a aussi la notion de la bénédiction. Donc ça veut dire qu'un chrétien qui comprend son identité en Christ
parce qu'il a compris la généalogie de Matthieu, va réaliser qu'il ne peut pas être maudit. Alléluia. Amen. Parce qu'il est déjà béni. Amen, 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 amen. Voilà pourquoi, mes amis, dans Éphésiens 1, 3, l'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, ainsi qu'à nous autres, il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc ça veut dire qu'un chrétien qui comprend cette généalogie, le chrétien qui comprend la généalogie de Yeshua par Matthieu, n'a pas besoin qu'un pasteur lui impose les mains pour qu'il soit béni dans ce mariage. Voilà pourquoi les apôtres n'ont pas béni le mariage. Alléluia, amen, 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 amen. Parce qu'en acceptant Jésus, on accepte, on reçoit automatiquement la bénédiction d'Abraham. Amen. Je te bénirai. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu les choses? Amen, 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 amen. Autre chose encore par rapport à cette généalogie, donc à part la bénédiction spirituelle, bien sûr, hein, pas je rendrai ton nom grand. Donc, il y a la notion de la grandeur, de l'élévation. Je rendrai ton nom grand. Et autre chose, tu seras une source de bénédiction. Frère, une source de bénédiction. C'est ce que le Seigneur nous a dit dans Jean 7. Amen. N'est-ce pas? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors ici, nous avons bien sûr la notion de Yehoshua. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc ici, c'est Yehoshua, en fait. Donc nous avons ici une prophétie relative à Yehoshua, notre Seigneur. Et voilà, mes amis, Abraham, il part de son pays par la foi. Il a suivi le Dieu de la Bible, mes amis, par la foi. Voilà pourquoi Abraham, par la suite Abraham, deviendra le père de la foi. En fait, cette généalogie de Yehoshua par Matthieu nous parle d'Abraham, Abraham le père de la foi. Donc d'abord la foi. La foi, malheureusement, mes amis, a presque disparu aujourd'hui. La foi. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Regardez la foi d'Abraham, frère. Allons voir dans le livre de Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Verset 14, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, regardez ici, frère. Donc, Abraham, c'est le père de la foi, c'est la foi. En fait, c'est la foi. Alors, vous comprenez pourquoi quand le Seigneur est venu sur terre, il n'a cessé de guérir les gens par la foi. Et les gens qui étaient guéris, il leur disait quoi? Votre foi vous a guéri. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a délivré. Vous voyez? Donc, c'est la base. Il disait aux apôtres, si vous avez de la foi, comme un petit grain de sénévé, tout ça, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et elle vous obéirait. Vous voyez, tout son ministère tourne autour de la foi. Amen. Dis seulement un mot, Seigneur, et mon serviteur sera guéri. La foi.
Et notre génération, mes amis, nous pousse à l'incrédulité. Parce que nous sommes dans une génération de l'imagerie. Il faut voir pour croire. Il faut entendre pour croire. N'est-ce pas? Et la foi, beaucoup de gens l'ont perdue. Beaucoup de chrétiens ont fait naufrage par rapport à la foi. Pourquoi? Parce que la généalogie de Yahushua par Matthieu n'est pas présentée correctement, mes amis. Abraham, le père de la foi, il nous dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Oh my God, oh my God. Oh mon frère, oh frère Chora, je veux d'abord voir, je veux d'abord entendre. Mon ami, nous ne marchons pas par les sentiments. Non. Dieu dit c'est l'autonomie, c'est l'autonomie. Mais comment ça va se passer? Mais c'est la généalogie d'Abraham, par Matthieu. Hein? C'est la généalogie de Yahushua par Matthieu. C'est la foi. Moi, Dieu me dit, entre dans une nouvelle dimension par la foi. Frère, je dois y entrer. Voilà pourquoi il faut des aiglons. Pour saisir la généalogie de Yahushua par Matthieu, sans savoir où on va. Mais je sais que je veux quelque part. Amen. Alléluia. Mes amis, Dieu, le Seigneur dans Jean 9, guérit un aveugle de naissance. Frère Fernand, on nous dit qu'il va cracher par terre. Il va faire de la boue avec sa salive. Il va appliquer de la boue sur les yeux de l'aveugle. Il va mettre encore un problème supplémentaire. Cet homme était doublement aveugle encore. Et le Seigneur lui dit, va maintenant te laver au réservoir de Siloé. Ne pouvait-il pas lui dire, vois? Ne pouvait pas dire, ordonner à ses yeux de s'ouvrir? Si. Mais il a voulu que cet aveugle de naissance, qui ne connaissait pas, mes amis, son quartier, qui ne connaissait pas sa ville, qui ne savait même pas où se trouvait le réservoir de Siloé, et il va vouloir, n'est-ce pas, amener cet homme à la foi d'Abraham, afin qu'il marche non par la vue, mais par la foi. Il l'aveugle, nulle part c'est écrit, où cet aveugle a contesté. Il a marché jusqu'au réservoir de Siloé, et il se lavait et il a vu. Oh Dieu, ouvre nos yeux spirituels. Abraham ne savait pas où il allait. Voilà la foi. La vie chrétienne est une vie d'aventure. Véritable. Nous sommes des pèlerins. Voyez, je ne sais pas où je vais. Je sais que la fidélité est sur le ciel. Mais je ne sais pas par quel chemin passer. Je sais que Jésus est le chemin. Mais je sais que peu importe la situation dans laquelle je me trouve, si je crains Dieu, je ne dois pas m'inquiéter parce que je sais que j'arriverai à destination. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous le tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Frère, il était très riche en troupeaux, en or et en argent, mais on nous dit qu'il habitait sous les tentes. Et les tentes en question étaient, n'est-ce pas, portatives. Hein? Ça veut dire qu'Abraham ne s'est pas construit une villa. Hein, avec piscine. Donc à tout moment, il pouvait démonter sa tente et partir. Parce que la vie de la foi est une vie de station en station, de lieu en lieu. Voyez? Donc, parce que c'est significatif ici. Tout ce que la Bible dit là, mes amis, tous les mots que la Bible emploie, que Dieu emploie dans sa parole, ont une, n'est-ce pas, signification. Si on a dit tente, c'est parce qu'il faut comprendre ici qu'il y a la notion de l'urgence. Ça veut dire que on a hâte de partir à chaque fois, n'est-ce pas? Il n'y a pas lieu de s'établir ici et de construire sa demeure de manière définitive et de dire, ben moi, je reste ici, je ne bouge plus. Ah non! Vous voyez? Donc, et puis tente ici aussi, en hébreu, c'est soukot, hein, aussi. Un autre terme que les auteurs bibliques ont utilisé pour parler de tente. C'est Soukot qui donne, mes amis, abri, n'est-ce pas? Abri, d'où la fête de Soukot, n'est-ce pas, le tabernacle. D'accord? Donc, tente, ici, c'est aussi tabernacle.
Or, tabernacle, c'est l'habitation, n'est-ce pas? Et Abraham, mes amis, était sous l'ombre du Tout-Puissant. Et il pouvait facilement démonter ses tentes et changer de lieu. Et il était considéré comme un étranger. Il se considérait comme un étranger. Voilà la marche de la foi. Nous sommes sur terre, mais nous nous considérons comme étrangers et voyageurs. Alléluia. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mes amis, écoutez bien s'il vous plaît, vous qui nous suivez ce soir sur télé et radio de vie, s'il vous plaît, vous qui voulez, mes amis, être avec le Seigneur pour l'éternité, nous devons comprendre, vous devez comprendre la généalogie de Yahushua dont Matthieu a parlé. Il présente Christ comme étant la postérité de la postérité d'Abraham. Or, Abraham, c'est la foi. Frère, si vous ne voulez pas vous égarer, il faut vous référer à Abraham. Dans Ésaïe 51, Dieu dit aux enfants d'Israël, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé. Portez le regard sur Abraham, votre père. Parce qu'à cette époque, il n'y avait plus de modèle. Et Dieu, n'est-ce pas, leur a parlé d'Abraham. Ceux qui ne veulent pas s'égarer du Seigneur, loin de la parole, doivent se référer à Abraham, frère. Yahushua, bien sûr, par excellence, par-dessus tout. Abraham, le père de la foi. Il attendait la cité dont Dieu est le constructeur et l'architecte. Donc ça veut dire qu'Abraham ne s'attardait pas, ne s'accrochait pas à la terre. Si notre père avait les yeux fixés au ciel, et nous autres, mes amis, et nous autres, alors on nous dit, mes amis, au verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Un homme usé de corps. Alors, quand on lit ce passage comme ça, usé de corps, on ne va pas comprendre. En fait, littéralement, d'un homme impuissant. Donc, Abraham, quand il a eu Isaac, il était impuissant. Hein? Il n'y avait pas de Viagra à l'époque. Excusez-moi. Mes amis, mais il avait la foi. Vous vous rendez compte ici? Il n'y avait pas un médecin pour le soigner, mais il avait la foi comme traitement, comme médicament. Vous voyez? Et on nous dit que Sarah ne pouvait plus avoir d'enfant. Ça veut dire que Sarah était ménopausée. Elle avait 90 ans. Donc elle était vraiment... Vous vous rendez compte, mes amis? Imaginez un peu la foi d'Abraham. Il était impuissant. Sa femme était ménopausée et Dieu leur dit, vous allez avoir un héritier. Dieu a attendu qu'Abraham devienne impuissant. Il a attendu que Sarah soit ménopausée pour leur dire, maintenant vous allez pouvoir concevoir, hein, engendrer. Oh! Et nous autres là, nous sommes là en train de pleurer, de pleurnicher. Oh Dieu, je souffre. Quand on a des petits bobos, mes amis, où est notre foi? Où est votre foi? Hein? Quand tout va mal, on prend le téléphone, on appelle tous les bishops du monde. On appelle tous les pasteurs, les apôtres. Oh, priez pour moi. Oh, ça ne va pas. Et quand on est secoué un peu, on commence à chercher l'appui des hommes pour avoir, n'est-ce pas, un grand ministère. Frère, oh, que Dieu soit glorifié. La généalogie de Yahushua par Matthieu nous parle de la foi. Alléluia. Abraham, c'est la foi. Frère, la Bible dit qu'il cherchait une patrie. Voilà la foi. Si l'on ne veut pas perdre la foi, il faut chercher une patrie. Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux 12, à partir du verset 2. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, à la croix méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Waouh! 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 Vous vous rendez compte, frère? Ayant les regards sur qui? Jésus. Pourquoi? C'est Jésus qui suscite la foi. Ça veut dire que plus on contemple Jésus, plus on va avoir la foi. Mais plus l'on contemple l'église locale, moins on aura la foi.
Vous comprenez? Voilà pourquoi dans Hébreux 10, 17, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? La parole de Dieu. Et qui est la parole de Dieu? Donc Hébreux 12 a raison. Ayant les regards fixés sur Jésus qui suscite la foi. Amen. Jésus en tant que parole. Alléluia. Et non seulement qu'il la suscite, mais il l'amène à la perfection. Comment? Par la souffrance. Par les critiques, par les murmures. On doit te critiquer de sorcellerie. On doit t'attribuer la sorcellerie pour que ta foi grandisse. On doit te, n'est-ce pas, t'attribuer des choses, des épithètes. On doit te coller des épithètes. On doit t'outrager pour que ta foi soit parfaite. Parce que c'est par le feu des épreuves que la foi est perfectionnée. Jacques, chapitre 1, verset 7. Vous comprenez? Jacques 1er, verset 7. Jacques chapitre 1er, à partir du verset 6. Verset 6. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Verset 2, pardon, aussi. Verset 2. À 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, produit la patience. Waouh ! Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Waouh ! Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alors nous sommes dans 2 Pierre, dans 1 Pierre, pardon, aussi. Vous voyez, donc, il faut se réjouir des épreuves, à cause des épreuves. Hein. Hein, donc, il faut se réjouir. Et dans 2 Pierre 1, 7. 2 Pierre 1, verset 7. À la pitié, l'amitié fraternelle. 1 Pierre 1, pardon. 1 Pierre 1, 7. 3 à 7. 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Waouh ! L'épreuve de votre foi. Donc, quand on a la foi d'Abraham, on subit les épreuves tout le temps. Oh Seigneur, enseigne-nous ta parole, mon Dieu. Quand il y a des petits bobos dans les mariages, dans les couples, les gens prennent des décisions tout de suite. Oh non, moi, j'arrête. Oh non, moi, oh non, moi. Mais où est ta foi, ma soeur? Où est ta foi, mon frère? La foi ne peut, mes amis, être manifeste sans les épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat, la louange. Donc, vous ne pouvez pas louer Dieu sans l'épreuve. Vous ne pouvez pas avoir les épreuves sans la foi. Il y a en plus, ensuite, il y a les résultats de l'épreuve de la foi, c'est la louange, premièrement, la gloire, deuxièmement, et l'honneur. Beaucoup de gens veulent être honorés, mais ils ne veulent pas souffrir. Beaucoup de gens veulent être honorés, mais ils ne veulent pas avoir la foi d'Abraham. Hmm? La foi est comparée à de l'or. L'or, pour qu'il ait de la valeur, il faut qu'il passe par 1064 degrés afin de fondre. Donc l'or ne peut, mes amis, être fondu qu'à partir de 1064 degrés selon les scientifiques.
Et à cette température hautement élevée, leur fond. Et ensuite, on peut maintenant enlever, mes amis, les scories, tout ça là, hein, les saletés, n'est-ce pas? Et pour qu'ils coulent, pour que l'or coule, il faut, mes amis, qu'il y ait plus de près de 3000 degrés. Et là, l'or va commencer à couler. Or, Dieu veut que tu coules. Comme le fleuve d'eau vive. Voilà pourquoi il permet les épreuves. Il va susciter lui-même l'adversité. Il va créer l'adversité, comme il a dit dans Ésaïe 45, qu'il crée l'adversité. N'est-ce pas? Qu'il amène les ténèbres. Il va lui-même, dans sa souveraineté, susciter des ennemis de par le monde qui vont se lever contre toi, qui vont outrager ton nom, qui vont toutes les nuits parler de toi, la journée parler de toi, c'est-à-dire des gens qui vont créer des sites internet autour de ton nom, alors que toi tu ne fais que faire le ministère. Il y a des gens qui vont, c'est-à-dire ils vont parler de toi matin, midi, soir. Il y a des gens qui, Dieu peut permettre une maladie, Dieu peut permettre n'importe quelle situation, tout simplement parce que tu dois expérimenter la foi d'Abraham. La généalogie de Yahushua, c'est la genèse, c'est le fondement. Et tout chrétien qui se réclame de Jésus doit avoir, n'est-ce pas, saisir la généalogie de Yahushua aussi par Matthieu, frère, la foi. Les résultats de l'épreuve de la foi, c'est la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc ça veut dire que jusqu'à ce qu'il revienne, tu souffriras, mon ami. Ouh, Jésus, aide-nous, Seigneur. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 4, 1, il dit, comme Christ a souffert, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Voilà l'évangile que nous prêchons, frère. La souffrance, la croix. La foi. Hein? La foi d'Abraham. Alors, mes amis, vous voulez vous enrichir comme les gens du monde, mais vous allez perdre la foi. Ah ouais, vous allez faire le commerce pour vous enrichir, pour vivre pleinement votre vie terrestre, vous perdrez la foi. Oh oui, frère, croyez-moi ou pas. Mais c'est ou pas, c'est la parole qui le dit. Voyez, la foi, mes amis, c'est quelque chose de magnifique. Tu n'as rien, mais Dieu te dit tu as tout. Tu n'as rien, mais Dieu dit tu as tout. Dieu te dit un tel est ta femme, mais ne t'agite pas. Pourquoi t'agiter? Pourquoi chercher des combines pour maintenant faire comprendre à la personne que tu l'aimes? Ça ne sert à rien. Si Dieu a dit, c'est un tel, qu'il neige, qu'il pleuve, ça se fera. Ouais. Même si 10 000 femmes tournent autour de l'homme en question, mais Dieu aussi t'a dit, c'est lui. Garde ton silence. Ne t'occupe même pas de lui. Autant marqué, il est dit dans Ecclésiaste 3:11, il fait toutes choses belles en son temps. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Il y a un temps pour que les gens parlent. Il y a un temps où les gens doivent fermer leur bouche pour admirer maintenant l'œuvre du Seigneur dans ta vie. Je parle à quelqu'un ce soir qui souffre. Au nom de Yahushua, alléluia, gloire à Dieu. Dieu est magnifique. Il y a un temps où les gens doivent se mobiliser pour te faire la guerre, pour te critiquer, pour te condamner. Il faut que les gens créent des blogs sur toi. Il faut que les gens créent des sites internet sur toi parce qu'ils font ta pub. C'est normal. C'est Dieu qui le pousse. Parce que les gens vont te connaître par, n'est-ce pas, par cette pub. Parce que les gens vont se dire, mais qui est cette femme, qui est cet homme que tout le monde critique comme ça? Donc je dois aussi l'écouter. Donc ils font ta pub. Voilà, on ne peut critiquer que celui qui a l'onction. On ne peut critiquer que celui ou celle qui a la foi d'Abraham. Parce que la foi d'Abraham dérange. La foi d'Abraham dit quoi? Oh non, mais on te dit non, il y a seulement 5 pains et 2 poissons. La foi d'Abraham dit non, il y a plus que ça. C'est la multiplication par la prière. Voilà la foi d'Abraham. La foi d'Abraham te dit, mon ami, je n'ai pas besoin de la foule. J'ai besoin de Jésus comme Gédéon.
avec mes amis, 300 personnes, Gédéon a détruit des grandes armées. La foi. Dieu va utiliser, mes amis, des choses viles pour donner la victoire à ses serviteurs. Dieu va utiliser des mâchoires d'animaux comme armes pour amener, pour donner des grandes victoires à ses serviteurs. Frère, il n'y a pas eu de bazooka, il n'y a pas eu d'armes nucléaires, et une mâchoire d'animaux. Hein? Mâchoire d'un animal. Avec ça, Dieu donne la victoire à tout un pays. Oh, mes amis. La foi, Dieu, il ne faut pas l'approcher avec des méthodes humaines. Il ne faut pas l'approcher avec des calculs. Non, si je crée telle association, il y aura le réveil. Non, si je crée telle chose, il y aura le réveil dans mon pays. Non, Dieu, mes amis, n'a pas ces calculs-là. Dieu n'est pas dans ces calculs. Dieu te dit, viens et suis-moi simplement. La foi. Je veux ce soir que votre foi soit boostée. Au nom de Yeshua. Oh Seigneur, ouvre nos yeux ce soir. La généalogie de Yeshua. Hein? On a dit à Jésus, mes amis, que Lazare sent déjà. Il sent depuis 4 jours dans la tombe, il sentait mauvais. Il dit non, ôtez la pierre. Le problème, ce n'était pas l'odeur. Le problème, c'était la pierre. Ôtez la pierre, simplement. Voilà. Alléluia, gloire à Dieu. La foi d'Abraham. Frère, Abraham a subi des grandes choses. Et l'apôtre Paul nous dit, mes amis, que Abraham est le père de la foi. Nous sommes dans Romains, mes amis, chapitre 4. Nous lisons du verset 1er. Romains 4, verset 4. Donc, Romains 4, à partir du verset 1er. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu ? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Vous voyez, mes amis, notre père Abraham a été justifié, non parce qu'il a fait des grandes œuvres. Il a été justifié parce qu'il a cru. Vous voyez, prenons un exemple. Dieu lui dit dans Genèse 22, prends ton fils unique. C'est lui que tu aimes là. Donne-le-moi. Il a attendu plus de 25 ans. Et Dieu lui dira de le tuer. Et Abraham s'apprêtait à le faire. Il a failli le faire. Quelle foi! Il avait confiance, il avait foi en Dieu. Il savait que Dieu pouvait le ressusciter. Alors qu'à cette époque, il n'y avait aucun témoignage de quelqu'un qui était ressuscité. Mais Abraham a cru quand même en Dieu. Donc ça veut dire que même si je n'ai pas de témoignage de guérison des gens, ici et là, par rapport à une maladie qui peut te frapper, me frapper, mais je dois croire Dieu et mettre ma confiance en lui parce qu'il est capable de tout. Vous voyez? Alléluia. Dans Galates. Galates chapitre 1. Oh, j'aime le Seigneur, mes amis. Chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 22. Galates 4, 22. Voilà. Donc, j'ai dit au nom de Jésus. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Au verset 24, ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Au verset 25, car Agar, c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé de douleur de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Verset 28,
pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'esprit ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Waouh ! Alors, il y a quelque chose ici. En fait, ce soir, on va s'arrêter sur la foi d'Abraham. Et on aura encore une autre émission sur la généalogie de Yehoshua par Matthieu, mais cette fois-ci, dont l'ancêtre sera, donc, bien sûr, et David. Donc, en parlant de David. Et regardez, mes amis, ce que la parole nous dit ici. C'est précieux. Hein. On nous parle d'Abraham. D'Abraham, on nous dit qu'il a eu deux femmes. Donc, deux femmes, donc Agar et Sarah, bien sûr. Et il a eu deux enfants, un de la femme libre et un de la femme esclave. Donc, femme libre et esclave. Et on nous dit que ces deux femmes ont, en fait, deux alliances, représentent deux alliances. D'accord ? Et la première alliance est la dernière alliance. Et on nous dit, mes amis, que Agar, qui représente l'alliance mosaïque, correspond au mont Sina, qui a enfanté pour la servitude. N'est-ce pas ? C'est la Jérusalem actuelle. Donc, c'est la religion. Vous voyez ? C'est la religion. C'est le système religieux. Et on nous dit en même temps que la femme libre, par contre, Sarah, correspond à la Jérusalem d'en haut. Et Paul dit que c'est notre mère. Est-ce que vous vous rendez compte ici ? Abraham, le père de la foi, n'est-ce pas, nous parle en même temps de l'amour maternel. Donc, dans le Dieu de la Bible, il y a l'amour paternel et il y a l'amour maternel. Waouh, mes amis. Donc, c'est incroyable. Donc, la Jérusalem céleste est présentée aussi comme notre mère. Donc, nous allons être bercés. Nous sommes déjà bercés dans cet amour, mes amis. L'amour d'un père, l'amour d'une mère. Voilà pourquoi en Dieu, il y a tout, frère. Il y a tout. Et on nous dit que nous sommes de la femme libre. Donc, la foi d'Abraham nous amène à la liberté. Voilà pourquoi les vrais chrétiens comprennent qu'ils sont libres, qu'ils ne peuvent plus être esclaves des hommes, qu'ils ne sont plus esclaves du péché, esclaves des démons, esclaves de coutumes, esclaves des traditions, esclaves des parents qui veulent à tout prix les contrôler, les empêchant de vivre la vie de Dieu. Où est cette liberté, justement, mes amis, que le Seigneur Yehoshua a acquise pour nous à la croix ? Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Frère, nous sommes des enfants de la promesse. Voilà la généalogie de Yehoshua par Abraham. Tu es l'enfant de Dieu par la promesse. L'enfant de promesse. Ça veut dire qu'avant que le monde ne soit créé, Dieu t'avait déjà en lui. Dieu t'avait déjà dans sa pensée. Tu n'es pas le produit du hasard. Non. Tu n'es pas venu au monde par accident. Et on nous dit également que, et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécuté, celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Donc c'est normal que tu sois persécuté, toi qui crains Dieu. C'est normal que les gens se lèvent contre toi. C'est normal que les faux ministères, que les faux pasteurs se lèvent contre toi pour t'attaquer. C'est normal que les Jézabel se lèvent contre toi pour te faire la guerre. C'est écrit déjà dans la Bible. C'est normal que les pasteurs de ta ville se lèvent contre ton ministère, mais c'est écrit. On nous dit que les enfants de la promesse sont persécutés par les enfants de la chair. Mais c'est clair. C'est-à-dire, les religieux persécutent les hommes de l'esprit. Les religieux persécutent les enfants de l'esprit, les femmes de l'esprit. Oui, parce que les hommes et les femmes de l'esprit ne sont pas compris. Allez comprendre le Saint-Esprit. On nous dit dans Jean 4 que celui qui est né d'esprit, hein, né de nouveau, est comme du vent. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Mais comment voulez-vous être compris? Si vous voulez être compris par les hommes, mes amis, avant de faire l'œuvre du Seigneur, vous ne la ferez jamais. Alléluia. Dieu dit, donne l'autonomie, on donne l'autonomie. Même si les gens ne comprenaient pas. Mais Dieu a dit qu'il faut donner l'autonomie. Et c'est biblique. Hein? Ah non, frère Chora, mais tu comprends. Ah non, mais frère Chora, comment? Ce n'est pas le frère Chora qui a écrit la Bible.
Ma Bible me dit qu'il faut le faire. Il faut le faire. Et Dieu dit c'est le temps. Et c'est le temps. Frère, il faut être dans l'esprit. La foi d'Abraham te conduit à la marche de l'esprit. Parce que la foi chrétienne est une mes amis, la vie chrétienne est une vie de foi. Nous allons, nous marchons de voie, de foi, de victoire, pardon, en victoire, de station en station, comme les Hébreux dans le désert de Sinaï. Voyez, mes amis, c'est une marche de foi, marche par la foi et pas par la vue. Et la parole est claire, mes amis. Et on nous dit que les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. C'est normal. Voilà pourquoi il y a plus de païens que de chrétiens. Il y a plus de religieux que les hommes et les femmes de l'esprit. Donc c'est normal que le combat soit intense. Et je vous assure, mes amis, j'aime de plus en plus la guerre. J'aime de plus en plus, mes amis, la guerre. C'est comme si il faut que tout le monde fasse maintenant des blogs contre moi. Il n'y en a pas assez. Oui. Frère, le Dieu de la Bible a été traité de Belzébul, et nous Oui. Donc, je veux encourager l'église persécutée ce soir. J'aimerais encourager les hommes et les femmes de Dieu persécutés, les familles chrétiennes persécutées à cause de leur détermination, à cause de leur position, à cause de leur, mes amis, conviction. C'est normal que vous soyez persécutés si vous craignez Dieu. C'est normal que les gens vous traitent de tout le nom. C'est normal que les gens disent des mensonges sur vous. C'est normal qu'on vous traite de tout le nom. Vous savez, mes amis, ici même, il y en a qui m'ont traité d'Alzheimer. Hein. Ils ont dit, non, Chora a la maladie d'Alzheimer. Ça fait rire, venant de la part des gens qui sont proches. Mais je rends grâce au Seigneur. C'est ça l'évangile, frère. Que Dieu soit glorifié. Vous voyez ? Donc il faut se réjouir. Quand les gens ne vous comprennent plus parce que Dieu vous demande de faire des choses qui vont à l'encontre de leur pensée, de leur motivation, de leur cupidité, eh bien il faut y aller, mes amis. C'est la parole. C'est la parole. Dieu est grand. Dieu est magnifique. Dieu est magnifique. La persécution fait partie de notre vie, fait partie de notre appel, de notre marche chrétienne. La foi d'Abraham, comment des enfants que tu as engendrés, qu'ils puissent, mes amis, te traiter ainsi. On dit, Seigneur, c'est biblique, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Gloire à Dieu, mes amis. Alors, si vous êtes crucifié à cause de Yahushua, à cause de votre position, à cause de votre fidélité à ce que Dieu vous a dit quand il vous a appelé, n'abandonnez pas cette vision. Au contraire, continuez jusqu'au bout. Et Dieu vous récompensera. La généalogie de Yahushua par Abraham. Abraham, mes amis, est allé en Égypte, mais Dieu l'a ramené quand même à la terre promise. Ça veut dire que ça peut arriver dans votre marche chrétienne que vous trébuchez. Ça peut arriver, mais Dieu, parce qu'il vous aime, parce qu'il sait que vous l'aimez aussi, il vous ramènera dans le droit chemin. Oh oui, frère, au nom de Yahushua. Et Abraham, dans sa marche chrétienne, mes amis, a eu à se séparer avec Lot. Lot qui était, mes amis, Lot dont le nom signifie voile. Lot qui était son neveu. Vous voyez, il y avait un sentiment, n'est-ce pas, un lien familial, un lien très fort. Mais à un moment donné, Dieu lui dit, il faut te séparer d'avec Lot. Parce que Abraham était devenu voilé, n'est-ce pas, à cause de cette présence à côté de lui. Et Dieu lui dit, sépare-toi. Et Abraham a pris la décision de se séparer d'avec Lot. Et quand il l'a fait, il a dit à Lot, si tu vas à droite, à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Ça veut dire qu'Abraham, mes amis, connaissait son Dieu. Il savait que peu importe l'endroit où il serait parti, Dieu serait avec lui. Vous voyez ? Et quand il s'est séparé d'avec Lot, la Bible nous dit, Dieu lui dira, lève tes yeux et regarde tout ce pays qui est devant toi. Je te le donne à toi et à ta postérité. Vous voyez, mes amis ? Donc, à un moment donné, dans sa marche, à cause de la présence de Lot, Abraham ne voyait plus le pays de la promesse. Mais une fois que le voile ôté, Abraham a vu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, vous devez comprendre que dans votre marche avec le Seigneur, il peut vous arriver de vous séparer d'avec des personnes, n'est-ce pas, pour pouvoir aller encore plus loin dans votre appel. Et c'est très biblique. Et il y a eu cette séparation, mais il n'était pas, mes amis, en guerre. Parce que par la suite, Lot a été secouru par Abraham, n'est-ce pas? Donc, Dieu est grand, mes amis. Donc, que Dieu soit béni
la foi d'Abraham. Mes amis, la généalogie de Yoshua par Matthieu nous enseigne toutes ces choses, frères. Hein? Donc il y a encore plein d'autres choses qui sont cachées. Mais en tout cas, c'est la marche, en gros, ce que l'on peut comprendre, c'est de cette généalogie, c'est la marche par la foi. N'est-ce pas? C'est la vie d'Abraham. La marche par la foi. Abraham ne s'est pas attaché à ses biens, à sa richesse, mais il s'est attaché à la richesse céleste. Si notre père de la foi, qui est notre modèle, mes amis, a vécu une vie de désintéressement, une vie de consécration, une vie de simplicité, pourquoi pas nous qui sommes ses enfants? Pourquoi pas nous? Il a sacrifié son fils Isaac pour montrer à Dieu qu'il l'aimait, parce que l'amour consiste dans le donner. N'est-ce pas? Voilà. Et pourquoi pas nous? Sacrifions nos Isaac. Sacrifions les choses les plus importantes pour nous, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est ça, mes amis, la marche chrétienne. La marche par la foi. Dieu est...